Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Aujourd'hui, on va regarder comment faire une autre modification sur la Tevo Tornado. Elle s'applique aussi sur la CR10 si vous voulez faire les changements. Dans le fond, on va changer la buse qui est ici. C'est une type Chimera qui est à l'intérieur. On va changer ça pour un E3D V6. Alors, pourquoi on ferait ça? Ben, c'est simple, c'est que les pièces de 3D V6 sont beaucoup plus faciles à trouver et moins dispendieuses que les pièces Chimera comme il y a à l'intérieur. Au niveau du heat break ou le pont, peu importe comment ça s'appelle, la partie qui est entre le bloc chauffant et le radiateur est beaucoup plus difficile à trouver lorsqu'on veut, par exemple, un plein métal versus un E3D V6. L'autre raison pour laquelle je fais ça aussi, c'est que j'ai plein de pièces de E3D V6 que j'ai ramassées avec le temps. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile lorsque j'ai une pièce qui brise de simplement changer la pièce pour une E3D V6. Ce qu'on a de besoin pour faire la modification, la première des choses est d'avoir un kit E3D V6. On va le voir de plus près dans quelques instants. Faites attention, la Tevo Tornado fonctionne sur le 24 volts. Alors, vous avez besoin d'une cartouche chauffante de 24 volts. Aussi, vous allez voir que j'ai un petit couvert en silicone dessus. Je vous le recommande fortement. Et aussi, par défaut, le heat break ou le pont à l'intérieur ne vient pas plein métal. Il y a un tube de PTFE à l'intérieur. Donc, le plein métal permet d'imprimer jusqu'à des températures comme 300 degrés Celsius. Présentement, j'ai un tuyau de PTFE à l'intérieur. Donc, je ne peux pas imprimer du polycarbonate ou certains types de TPE dessus ou TPU à cause de ça, justement. Donc, c'est une autre raison pour laquelle je veux changer la buse. J'avais regardé les prix pour changer juste le heat break à l'intérieur. Puis écoutez, ça revient. Je vais regarder pour un micro suisse. Le micro suisse coûte pas loin de entre 80 et 100 $ juste pour une petite pièce. J'ai pas envie de payer ce prix-là pour une petite pièce. Comme j'achète quasiment toutes mes pièces, je vais utiliser ce que j'ai sous la main. Puis un kit comme ça ici, si vous lâchez vraiment un kit de 3D, vous pouvez l'avoir autour de 30 $ environ. Il y a des kits qui viennent avec le ventilateur. Moi, j'ai pas besoin du ventilateur. Il y a des kits qui viennent à 24 volts avec le tuyau PTFE. Sans le tuyau PTFE, il y a plein d'options. Mais c'est entre 20 et 30 $. Vous pouvez aller jusqu'à 50 $ dépendamment de la buse que vous choisissez. Mais autour de 30 $, vous avez tout le kit. Alors, j'ai fait imprimer aussi le PETSFANG. Vous savez, le PETSFANG qui est fantastique en passant. J'ai fait imprimer pour le E3D V6. Puis, je l'ai laissé sur la bed parce que je vais vous montrer dans quelle position je les ai imprimés. Si vous voulez le faire imprimer, vous allez voir la position dans laquelle je l'ai mis tout simplement. Ça va vous aider à bien les positionner avec les supports et tout ça. Donc, allons-y. La première des choses à avoir est le kit E3D V6. Alors ici, on voit que c'est un E3D. On fait le focus. Et voilà, un vrai E3D. C'est ça le petit couvert de silicone que je vous parlais. Des fois, je mets des morceaux de coton, mais quand j'ai l'occasion, je mets des petits couverts de silicone, c'est beaucoup mieux. Ensuite de ça, j'ai déjà fait une modification. Je vais me centrer. C'est qu'à l'intérieur, j'arrive pas à le décoller. Et voilà. Si on regarde à l'intérieur, c'est un plein métal. Alors, comme j'en ai une dizaine à la maison, pour moi, c'était facile de le changer. Alors, un coup qu'on l'a changé, c'est important de bien les serrer. Faites attention à la cartouche chauffante. Et puis, assurez-vous que la cartouche chauffante est une 24 volts. Alors, le seul moyen de le savoir, c'est lorsqu'on l'achète, de l'identifier. Parce que physiquement, elle n'a aucune différence. Pour votre information, les deux fils rouges, c'est la cartouche chauffante. Et les deux fils blancs, c'est le détecteur de température. J'ai une buse de 0.4. Et puis, un extrudeur, pas un extrudeur, mais un connecteur de PTFE ici que je vais resserrer parce qu'il est un petit peu lousse. La deuxième des choses est d'imprimer l'adaptateur pour ceci. Alors, je l'ai imprimé, il est encore collé. Je vais vous montrer dans quelle position j'ai imprimé les pièces. Le bloc principal, je l'ai imprimé le côté pour le E3D dans les airs, comme ceci. Parfait. Ensuite de ça, la partie frontale, la partie qui vient à l'avant de ça ici, je l'ai imprimé comme le dessus est en dessous, comme à l'envers complètement. Ma pièce E3D viendrait s'installer comme ça ici à l'intérieur. En ce qui est du conduit lui-même, je l'ai imprimé simplement sur le dos. Et puis à l'intérieur ici, je vais le décoller. Si ma spatule se rend, ben je vais décoller cette pièce-là à la place. C'est le petit support à câble qui vient ici à l'arrière. Au niveau des supports, j'ai ajouté, hop, il y a des petits supports ici, j'ai ajouté des supports simplement pour tenir où est-ce que mon ventilateur
Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, du support où est-ce que mon ventilateur va venir s'accrocher, ici. Ensuite, pour ma petite pièce qui tient mes câbles, des supports uniquement sur les côtés où est-ce qu'ils vont se visser. Sur mon bloc principal, aucun support. Et puis, sur ma partie frontale, ça c'est la partie frontale qui inclut le BL Touch. Alors, il y a un petit peu plus de support. Il y a des supports au-dessus du BL Touch. Ensuite de ça, ici à l'arrière pour supporter le bridging. Puis un petit peu partout, dans le fond, je vais vous les montrer où sont les supports. Vous voyez la pièce? Est-ce que le focus est bon? Et voilà, alors prochaine étape, on va enlever les supports. Alors, tous mes supports sont enlevés. Première des choses, c'est d'essayer pour voir si ça va bien marcher. Parce que si je démonte tout et ça ne marche pas, ça ne sera, sera pas génial. Alors, j'imagine que ça, c'est mon devant. Allez, comme ça ici. Ça devient comme ça ici. Oh! Ça rentre parfaitement. Parfait. Maintenant, ça ici, ça vient comme ça ici à l'avant. Il y a mes câbles qui semblent être dans le chemin. Je vais juste revirer ma buse de bord. Comme ça ici. Ma gestion de câbles arrive où? Ah, c'est étrange. On dirait que mes câbles sont faits pour sortir de ce côté-ci. Il faudrait que je change ma cartouche de bord. Ou que je sors mes fils tout simplement comme ça. Ici, il y a le petit support à fil qui va à l'arrière. Alors ça, c'est mon devant. Ça, c'est mon derrière. Alors mes fils, peu importe du côté qui sort, alors, on va l'essayer. Admettons que ça vient comme ça ici. Mes fils ne sont pas coincés. Ils viennent ici comme ça. Ouais, ça peut faire. Je pense que les fils sont faits pour sortir ici normalement. Ben, d'un côté ou l'autre, je pense que ça fonctionne. Je vais essayer de le tourner de côté pour voir. Oups. Bon. Je vais essayer de tourner ma buse de côté. Comme c'est ici. C'est ici. C'est dans ce sens-là. Ça va aller mieux. Mais ça fonctionne aussi. Puis comme ça, je peux envoyer mes fils dans le trou ici. C'est juste que ma buse est pas mal en avant. Pas ma blouse, mais mon bloc chauffant est plus en avant. J'aime mieux l'avoir plus en arrière pour pouvoir voir. Et les fils sont vraiment faits pour aller ici. Fait que je vais le monter comme ça, avec le bloc chauffant à l'avant. Tout simplement. Je devrais être en mesure de voir l'impression quand même. Malheureusement, je ne peux pas changer mes fils de bord, étant donné que mon trou pour la température et de ce côté-ci. Si je l'imprime, si je l'installe comme ça ici, ça va frotter beaucoup sur mon BL Touch. Malgré que j'ai un trou pour sortir mes fils, là, on dirait. Savez-vous quoi? Je vais l'installer comme ça ici. J'aime bien voir ma buse. Puis, je vais passer simplement mes fils comme ça ici en arrière. Puis, ça va être ça. OK, alors la prochaine étape, on va tasser ça ici.
La prochaine étape est de démonter ça ici. Alors, je vais zoomer un peu là-dessus. Alors, moi, j'avais déjà le PETFANG. Dans le fond, il faut juste le démonter. Pour ça, il y a les vis en arrière qui tiennent. Je vais fermer mon imprimante premièrement. Peut-être une bonne idée. Alors, il y a les vis qui le tiennent ici à l'arrière, les vis du ventilateur. Puis, si vous avez le PETFANG, c'est parce que vous l'avez déjà installé. Donc, c'est le processus inverse pour le démonter. Voilà, notre PETFANG est désinstallé. Maintenant, je vais. Là, j'ai encore un filament dans mon imprimante, ce qui n'est vraiment pas l'idéal. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de retirer mon PTFE, mais probablement que le filament va m'empêcher de l'enlever. Je vais être obligé de faire chauffer ma buse pour le retirer. Alors, j'ai fait chauffer ma buse jusqu'à 150 degrés et j'ai retiré mon fil. Maintenant, je devrais être en mesure de pouvoir retirer mon tuyau de PTFE. Évidemment, il faudrait que je bloque mon bed avec quelque chose. Le tuyau coince souvent. Et voilà. Heureusement, je l'avais changé pas longtemps. En passant, c'est un tuyau Capricorne qui vont super bien. Maintenant, je vais défaire ça ici. Faites attention, je viens de faire. Si vous venez de faire chauffer votre buse, elle risque d'être un peu chaude. Alors soyez prudent pour ne pas vous brûler. On enlève les deux vis qui ne sont pas chaudes. Normalement, cette section-ci ne devrait pas être chaude, plus vers le bas. Et voilà. Alors, vous pouvez en profiter pour regarder vos roulements, s'ils sont corrects, s'il n'y a pas de vis de lousse. Tout est beau. Avant d'installer la pièce de base ici, qui vient s'installer, où est-ce qu'elle est? Ici. Qui vient s'installer comme ça, assurez-vous que les trous... Alors, voyez-vous, il y a un crochet ici. J'ai-tu laissé du support? Non. Alors, vous voyez ça ici? Ben, ça vient simplement se glisser là-dessus comme ça. Normalement. Et voilà. Alors, je le glisse là-dedans. Puis normalement, j'ai des petits trous qui devraient embarquer. Et voilà. Alors, ça va plutôt bien. Hein? On dirait que c'est fait pour aller là. Mon trou ici, il est bien. Vous voyez, pas pire aligné. Il n'est pas parfaitement aligné, mais il est bien aligné. Ah, comme ça. Super. Mes trous sont bien alignés, ces deux trous-là sont bien alignés. Parfait. Alors, ce que je vais faire, voyez-vous ici, à force de changer ma... Je vais zoomer un petit peu, vous allez voir, mes fils sont un peu endommagés. Voyez-vous? Alors, ce que je vais faire, je ne changerai pas mes fils jusqu'à l'intérieur de l'imprimante. Je vais tout simplement couper mes fils et les souder ensemble à peu près à cette distance-ci. Alors, je vais enlever les différentes attaches que j'ai. Puis, je vais sortir mes fils. Vous n'êtes pas obligé de les souder. Vous pouvez simplement mettre du ruban électrique, du ruban d'électricien. Alors, ici, j'ai mon fil noir et mon fil rouge. Ils n'ont pas de polarité, alors je peux les couper n'importe où, puis mettre mes deux autres fils à la place. Alors, je vais couper mes fils. Assurez-vous que votre imprimante est bien débranchée. Maintenant, je vais regarder la longueur de fil que j'avais.
Puis je vais en laisser un petit peu plus long dans le cas qu'il y aurait quelque chose, un problème ou quoi que ce soit. Et voilà. En passant, garder ces fils-là, c'est toujours pratique si vous devez faire une réparation. Maintenant, je vais dénuder mes fils. Parfait, maintenant, je vais mettre des morceaux de gaine tamo rétractable. Se refroidir un peu. En passant, si vous n'avez pas des gaines thermo-tractables, c'est pas plus grave que ça. Vous pouvez mettre simplement du ruban d'électricien comme celui-ci. Vous savez, je déteste ces gaines-là. C'est juste que les gaines en nylon, un, ça me tente pas de tout recâbler. Puis deux, c'est quand même assez dispendieux. J'ai regardé le prix, puis j'aime mieux investir sur des pièces que sur les gaines. Et voilà! Bon, après une bonne bataille, j'ai gagné. Les pièces sont en train de tomber. Parfait. Maintenant, alors j'ai installé la pièce de fond. Allez, allez. Et voilà. Je vais installer les deux vis. Et voilà, j'ai installé maintenant ma buse. Non, j'ai dit que je voulais dans l'autre sens, comme c'est ici. Parfait. Avant d'installer, là, je me souviens pas si c'est plus pratique d'installer le BL Touch immédiatement ou après. Étant donné que j'ai une vis, ok, ils l'ont amélioré, la vis en avant. Donc, je vais installer mon BL Touch immédiatement. Tantôt, je vais ajuster ma buse pour qu'elle soit environ 2 mm. Je vais ajuster mon BL Touch pour qu'il soit 2 mm au-dessus de ma buse. C'est ce qui est recommandé par BL Touch. Alors, je vais mettre ma buse bien centrée. C'est comme ça. Là, il y a une vis qui est dans les jambes ici. C'est simplement parce que j'ai pas voulu passer mes fils de l'autre côté, mais je veux toujours pas. Alors, ça va être comme ça. Est-ce qu'il y a un risque d'usure? Oui. Alors, je vais juste repositionner mes fils comme ça ici. Non. Voyez-vous ici, ça accote sur la vis. Je vais zoomer un petit peu. Ici, mes vis, mes,
Ici, mes fils accotent un peu sur ma vis. C'est pas l'idéal, malgré qu'ici, je le tourne un petit peu comme ça, sont en avant. Alors, l'idéal est vraiment de faire passer ces fils par là, mais moi, je veux avoir mon bloc, le côté mince de mon bloc le plus en avant possible. Donc, alors, je vais faire ma tête dure et je vais les passer comme ça. Maintenant, on installe la partie d'en avant. J'en profite pour tout de suite installer ça. Et voilà. Alors, la partie avant. Super. Alors, les vis qui tiennent ça maintenant. Il y a deux vis au fond là. Je vais regarder quelle grandeur de vis que ça va prendre. Alors, pour votre information, pour les deux vis au fond, M3 par 20 ou M3 par 23, dépendamment de ce que vous avez. Nettoyer un petit peu le trou. Et voilà. Et voilà. Alors ça ici, c'est en place. Maintenant, vous allez voir, il y a une petite ouverture sur le côté ici. C'est pour passer le fil du ventilateur juste ici. Juste ici, il y a une petite encoche. C'est pour passer le fil. Je vais installer tout de suite mon ventilateur. C'est la version V2 en passant du PET5 qui est drôlement supérieure du fait que il y a plus de place pour le BL Touch. Et puis, il y a de la place pour les quatre vis du ventilateur. Alors, c'est les mêmes vis pour le ventilateur. Parfait, ça c'est installé. Maintenant, j'ai installé mon nouveau conduit. On voit que les rebords sont ronds dans la version V2. On passe le fil du ventilateur dans la petite encoche ici. Et on amène ça au niveau des trous. Et voilà comme ça. Alors les vis que je vais utiliser pour tenir le côté, c'est du M3 par 10. Avant de serrer les vis, il y a un ajustement sur la hauteur qu'il faut faire. Donc, serrez pas les vis immédiatement. Prochaine étape, je vais brancher mes fils, le fil de mon BL Touch. Monsieur, je vais passer devant la caméra. Et voilà. Alors, je vais passer mes fils ici sur le côté. C'est bon. Maintenant, je vais installer le support à câble qui vient ici en arrière. Je vais vous montrer après de quoi ça a l'air. Alors, pour l'installer, je vais devoir me battre un peu. J'aurais peut-être dû l'installer avant d'installer mes câbles, mais bon, c'est pas très grave. Alors, pour l'installer, je vais utiliser des petits câbles, des petites vis, excusez-moi. Je vais vous les montrer. Les vis que je vais utiliser, c'est celle-ci. On va faire le focus. Je vais vous dire la dimension. Des M2 par 10. Parfait. Maintenant, je vais installer mon ventilateur radial 50 par 15. Pour l'installer, j'utilise vis et tarot. C'est du M3 par 23. Oh! Ça a fonctionné sur l'autre, mais pas sur lui. J'aurais besoin des vis un petit peu plus longues. En arrière, c'est correct. Mais ils ont mis le support un peu plus épais ici. Donc, je vais juste installer ça ici.
Alors, j'ai pas trouvé de vis hexagonale, mais j'ai trouvé une vis carrée. Carrée ou tête plate qui va faire le travail. C'est un peu moins élégante, mais résistante. Parfait. Et je vais venir fixer mes câbles à l'arrière. Je vais vous montrer une fois installé de quoi ça a l'air. Je n'utilise pas les attaches de type tie wrap. J'utilise des velcro, comme ça ici. C'est plus facile à enlever. Puis, comme je démonte souvent mes imprimantes, ben, j'aime bien que ce soit facile à travailler, alors j'utilise ce genre de velcro. Alors, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Alors, on voit ici à l'arrière le support. Normalement, je devrais mettre des tie wraps, des attaches ici, mais j'ai simplement mis le plastique là. Alors, ça bouge un peu. Ok, c'est mon support que j'ai pour serrer encore. Alors, la prochaine étape est d'ajuster la hauteur de ça ici et la hauteur de mon bell touch. Pour ça, je vais libérer mon bed. Puis, je vais descendre la caméra pour que vous voyez bien le processus que je fais. Comme j'avais beaucoup de reflets sur mon bed à cause du verre, j'ai installé une feuille de papier. Maintenant, ce que je vais faire, je vais descendre ma buse. Pour qu'elle accote. Et voilà. Et puis, je vais m'assurer que celui-ci est à peu près 1 mm plus haut. Dans le fond, dans ce cas-ci, il faut juste que je le remonte un petit peu comme ça pour pas qu'il accroche mes pièces. Comme là, il accote à terre, je le relève un petit peu. Alors, je vais le resserrer comme ça, je vais le relever un petit peu. Je vais mettre mes doigts ici. Comme ça semble bon. Et je vais resserrer mes vis. Maintenant, mon bell touch, on peut voir qu'il est vraiment trop bas. Alors, il faut que je le remonte. Je le remonte quand même beaucoup, hein. Alors, je pense que je vais être obligé d'enlever mes petits ressorts pour le monter complètement en haut. Parce qu'il me semble pas mal proche. Oui, il est trop proche. Alors, ce que je vais faire, je vais me donner un petit peu d'espace. Et puis, je vais enlever mon bell touch. Je vais enlever le ressort, puis je vais le remonter. Alors, on va mettre ça à on. Le bell touch fonctionne. Il n'y a rien qui boucane. C'est une bonne chose. Maintenant, on va attendre. Je vais faire partir mes ventilateurs. Dans contrôle. Température. Fan speed. Je vais le mettre à 255. Ça fonctionne. Le vent passe bien. On va fermer ça. Maintenant, toujours dans température, je vais aller à nozzle. Je vais mettre à 150 pour faire un premier test. Alors, la température augmente, 27, 28, 30. Alors, 200. Maintenant, je vais faire avancer mon filament et voilà, j'ai du filament qui sort. Victoire. Parfait. Alors, on va enlever ça. Maintenant, il faut ajuster la hauteur. Moi, j'ai un bell touch. Si vous n'avez pas de bell touch, allez-y simplement avec les poignets. Moi, j'ai un bell touch. Alors, c'est la procédure est tout le temps la même. J'ai fait 2 vidéos là-dessus. Je vais encore leur montrer pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos. La première des choses dans mon menu ici, je vais faire un. Dans Prepare Auto Home, gardez le doigt sur le bouton d'un coup que la buse irait frapper contre la vitre. Ça ne devrait pas, mais vaut mieux prévenir que guérir. Parfait. Super. Maintenant, si vous avez un petit bout de filament, enlevez-le. Ensuite de ça, ce que je vais faire, je viens dans mon imprimante, dans Prepare,
Move Axis, Move Z. Et puis, je vais déplacer ma buse où est mon BL Touch. Donc, je vais faire Move de 1 mm. Excusez-moi, pas Z. Pas Z, c'est Y. X. Dans ce cas-là, je suis à peu près ici. Je vais aller avec un 10 mm. C'est à peu près ça. C'est pas obligé d'être exactement. J'ai encore du filament qui sort. Je vais juste faire une petite rétraction manuelle. Et voilà. Bon, maintenant, je vais descendre ma buse à partir de Move Axis Z de 1 mm jusqu'à ce qu'il soit près du bed. Alors, j'ai ma feuille pour calibrer. J'ai encore du filament, voyons. Alors, ma feuille est coincée, je la remonte d'un millimètre. Maintenant, je vais le faire descendre de 0.1 mm jusqu'à ce qu'elle soit bien calibrée. OK, alors, j'étais à plus 2.6. Maintenant, je m'en viens dans, à partir du menu principal, Control, Motion, Z Offset, et puis je viens ajouter la valeur. J'étais à plus 2.6, puis là, présentement, j'étais à moins 3. Alors, plus 2.6 plus moins 3, ça fait 0.4. Alors, je vais changer ça à 0.4. 0.4. Ensuite de ça, je reviens au menu précédent et je fais Store Setting. Et maintenant, il me reste juste à envoyer un test d'impression. Alors, on va imprimer le fameux cube de test. J'ai fait une rétraction. On va enlever ça ici. Alors, j'ai arrêté mon impression parce que ma buse est un petit peu trop haute. Alors, si on voit qu'est-ce que ça fait une buse trop haute. Simplement ça. Alors, je vais baisser ma buse un petit peu. Donc voilà, ma buse est changée. J'ai mon E3D V6 qui est dessus. Comme vous avez pu voir, l'impression n'est pas encore à mon goût. Est acceptable, mais pas à mon goût. Alors, il va falloir que je travaille sur les ajustements au niveau de la quantité d'extrusion que j'envoie. Ensuite de ça, peut-être que ma buse n'est pas parfaitement alignée. Alors, il va y avoir des ajustements à faire. Normalement, j'aurais coupé cette partie-là. Je vous aurais montré le produit fini pour ne pas allonger la vidéo pour rien. Mais il y a beaucoup d'utilisateurs qui pensent que... Excusez-moi, il y a beaucoup d'auditeurs qui pensent que lorsque je fais une modification, ça marche tout le temps du premier coup. Eh bien non, on doit mettre des heures. Lorsqu'on fait une modification, que ce soit dans le firmware, que ce soit après l'imprimante, que ce soit de changer la buse, il y a des ajustements à faire tout le temps. Alors, je voulais juste vous montrer que oui, ça prend des ajustements. Je vais avoir peut-être une 10-20 prints encore à faire pour m'assurer de la qualité. Peut-être quelques ajustements à bouger si ma buse n'est pas parfaitement plate. C'est ce que je pense qu'elle a comme présentement. Il va falloir que je démonte mon BL Touch pour avoir accès aux deux vis pour pouvoir le tourner un petit peu pour qu'il soit bien, bien au niveau des ajustements comme ça. Alors, un coup qu'elle va être fonctionnelle, je vais être satisfait de mes impressions. Je sais que ma E3D V6 va me donner un bon service et puis qu'elle va être facile à réparer. Et en plus que maintenant, j'ai un heat break plein métal. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt!